Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va reprendre là, on s'était arrêté la dernière fois, c'est-à-dire la deuxième mission d'opération Market Garden qui s'intitule Wox Ace Neige d'automne. Donc tandis que l'opération de RAF continue, les parachutistes britanniques atterrissent dans le secteur. Le camp de Croupière doit garder le contrôle de Wox Ace et neutraliser les zones de largage ennemi. Je précise tout de suite, j'ai des ralentissements, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai dû carrément virer anti-aliasing. Mais je pense pas que ça vienne du jeu, donc je m'en excuse d'avance du dérangement occasionné. Et vous pouvez vous rendre compte que nous sommes exactement sur le même champ de bataille que précédemment. Plutôt vous rendrez compte une fois que nous serons dans la carte. Wox Ace, 13h30, 17 septembre 1944, camp de Croupière. On se prend la neige de septembre. Et par une journée chaude en plus. J'ai vu des choses que tu refuserais de croire. Des essaims de soldats en plein Paris, la puissance de la Blitzkrieg. Une plage transformée en forteresse. La beauté de la machine de guerre a un pouvoir subtil. Notre ennemi tombe du ciel, Enz. Wolfetze est sécurisé, frangin. On peut s'attendre à ce que l'ennemi sécurise ses zones de largage et prépare ses défenses. Plus on traîne, plus ils ont de temps pour se retrancher. On n'a toujours aucun contact avec la division les Mayor General Voss. Nous sommes donc seuls au monde. Il faut former le Kampfgruppe et passer tout de suite à l'offensive. Jusqu'à nouvel ordre, notre tâche consiste à déloger les envahisseurs de Wolfetze. Il faut faire avancer le Kampfgruppe et neutraliser les zones de largage ennemies. Ils ne doivent pas avoir le temps de s'installer. En préparation de l'assaut, on doit demander des renforts au QG et au commandement de la compagnie, ici. C'est tout pour le moment, Aldrich. Je compte sur toi. Nous tenons tout ce qui est au sud de Wolfetze, mais les parachutistes ennemis contrôlent la zone périphérique. Rassemblez-vous en groupe de combat et éliminez toute résistance dans les ZL. Ouais, en fait je suis en train de me rendre compte que ça n'a rien changé du tout. Ouais, c'est... Ah, je m'en excuse encore. Si là, ça marche pas, je n'ai aucune solution. Totalement viré l'anti-aliasing, ce qui consomme donc plus de ressources normalement. Bon, étonné que ça vienne pas de là. Mais bon, tant pis. Et là, le petit objectif secondaire de la mission, c'est déloger tous les snipers. Et qu'est-ce que ces véhicules sont doués là-dedans? Ah, gros coup de lag. Je sais pas combien de fois je dirais que je suis désolé, mais je suis désolé. Étonné en plus que j'ai aucun problème qui tourne en arrière-fond, je ne peux pas savoir d'où ça vient en fait. Encore c'est un problème qui vous ferait des ressources, je comprendrais, mais là... Et véhicule génial, ce véhicule là, qui est un peu votre véhicule standard. Encore un. Donc les snipers, il y en a encore ici et ici. Crevez,
intéressant. Des renforts de Panzergrenadier se préparent. Entrez, progressez, et trouvez une fenêtre. Notre ordre de mission. On aura bientôt regagné le monde de certaines unités. C'est l'enfer ici. L'objectif. Mortier placé. Ça me fait penser à la vidéo où je critique un peu justement les problèmes de ralentissement que c'était mal optimisé. Faites-moi bouger ce mortier. Là, j'ai envie de dire, c'est exactement le même problème. On va garder ça comme ça en qualité, mais on va supposer que ça vienne du problème de qualité qui est trop important. Et j'espère que ça va se corriger parce que pour ceux qui regardent, c'est pas franchement sympathique. Ça je sais bien. Donc voilà. Donc alors, comment marche cette mission? Ce qui est important de faire dans cette mission, si vous voulez gagner facilement, c'est de... comment peut-on dire? D'avancer au véhicule, puis après vous envoyez l'infanterie en gros. Voilà, c'est, je pense, c'est un meilleur résumé que je peux faire. Vos mortiers bombardent les zones. Bah, c'est à peu près assez logique, vous voyez ici il y a des défenses, ici il y a des défenses, c'est logique les endroits où il y a des défenses, donc on avance avec logique et minutie, donc on n'a pas besoin de se manier, faut dire ce qu'il y a, on a le temps. Mais faut pas oublier aussi que les ennemis utilisent des comment peut-on dire ça, des canons de tueurs, ouais, je cherchais le nom. Donc attention à avancer de véhicule, donc c'est pour ça que c'est sympathique dès que vous avez toujours des troupes à côté, parce qu'ils peuvent les réparer. Et oui. Les troupes standards du camp de Gruppen peuvent réparer les unités. Et honnêtement, c'est vraiment ce que j'apprécie chez eux, moi. Et je crois que le mortier est là. Non, il est plus haut. Oh, tant pis. Il paraît qu'ils en veulent au meilleur général Force. Donc voilà, toute la mission se résumera là. J'ai fait un grand résumé, mais la mission se résume énormément à ça en fait. Ah, j'ai perdu ma souris. C'est bon, viens récupérer. Les enfants, on déplace le porte-mortier. Et ça lag, et vous allez m'en vouloir, je ne sais pas même le dire. Donc là, nous voyons une nouvelle unité anglaise, je reviendrai sur les sapeurs plus tard, mais si vous avez reconnu l'icône, vous avez composé ces unités de construction par défaut. Voilà. Et vous constatez que les G43 sont une arme totalement OP. G43 c'est le sniper pour ceux qui n'ont pas été. Parce qu'une fois un peu amélioré, en fait, c'est une cadence de tir tellement hallucinant que... vous pouvez rien faire en face. C'est une T qui tire de loin et qu'en plus elle arrive à vous exposer vos troupes mais à une vitesse déconcertante. Voilà, c'est... bienvenue avec le G43. Bon, vous constatez aussi que je vous conseille de construire au moins 2 infanteries anti-chat. 4 si vous voulez. Parce qu'il faut savoir, comparé aux forces allemandes standard, c'est toujours le Panzerschreck leur arme, mais leur Panzerschreck à eux est plus efficace que celui des grenadiers allemands. Donc il est plus efficace, il est bien évidemment moins nombreux dans les escouades, et vu que c'est une escouade de 3, vous pouvez en avoir qu'un. Et un seul, c'est, je vais être honnête avec vous, moi je trouve ça limite, mais
Il y a une doctrine, je vous rassure. Hein. Pour moi, personnellement, c'est une doctrine. Toutes les doctrines de cette nation, je les adore. Et c'est pas une que je déteste le plus, hein. Vraiment une que j'apprécie beaucoup, c'est la technique de chasseur allemand. Parce que le but de cette doctrine, ça repose justement sur tout ce qui est anti-champ en fait. C'est une terreur de char. Avec, hein. Vous avez deux Panzer Shrek super OP sur vos troupes. Que demande le peuple, hein. Par contre, cette faction, bien évidemment, a un gros défaut, c'est qu'elle compte énormément sur l'essence. Qu'elle utilise énormément de véhicules, elle compte beaucoup sur l'essence. Et ça peut être gênant de temps en temps, de trop compter sur l'essence. Et voilà. Et voilà, le attaque. Et il faut savoir que, là je parle de choses qu'on verra plus tard, mais moi au moins vous êtes déjà au courant, que l'Ultra Class, ça sera, comme j'ai déjà dit, votre fer de lance, c'est que vos escouades peuvent monter à 4 unités. Donc ça reste toujours cette idée que on fait beaucoup de troupes en fait. On fait beaucoup de troupes qu'on met dans les transporteurs, je veux dire. Vous voyez, il y en a qui peuvent tirer dessus, et mine de rien, ça accroît énormément la puissance de feu. Mais bon, accroître n'est pas forcément la seule chose pour nous faire gagner. Mais bon, ça c'est un autre détail, un autre souci. On va essayer de avancer sur le flanc. Peut-être eux. Non, j'ai mieux le temps de faire ça à baraque ici en fait. Oh, le nombre de mortiers. De mortiers et de MG. Regarde, on a trouvé des plans. Des plans? Les Anglais ne peuvent pas être aussi bêtes. C'est sûrement des faux. Ces enfoirés d'Anglais voulaient nous dérouter. Tant pis. Nous devons donner ces plans à Foss. Il saura quoi en faire. Avons-nous un contact radio avec les QG du Fleet Marshall à Arner? Faut prévenir le Major Général Foss. Je vais apporter ça au lieutenant. Ah, justement, là, vous venez de comprendre une chose importante. C'est que les plans de l'opération Market Garden vont être retrouvés justement dans des planeurs. Et les gars, c'est là où il y a tout le problème. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes au courant des plans? Quand vous devez défendre? Parce que au final, vous êtes au courant de tout. Ah, c'est facile. Le ska, c'est tellement facile une fois que vous avez les plans de défendre que voilà. Ça embête un peu tout le monde. Et c'est vraiment ça qui va être une des grandes raisons que pourquoi ils vont louper Foneska leur opération. Bon, l'efficacité de leur grenade est plus faible qu'une grenade standard. Une grenade explosive. Hein. Mais elle fait des dégâts sur la durée. Donc c'est très efficace en fait pour les unités qui se retranchent. Et dès que ça fait des dégâts sur la durée, par exemple une unité dans un bâtiment, tout ça, ça l'oblige à sortir. Sinon s'il reste, bah, c'est le carnage. Hein. Faut dire ce qu'il y a, c'est un carnage. C'est pas toujours beau à voir, mais bon. Et je vous conseille, là c'est un conseil personnel, de passer quand vous faites cette mission par le côté droit et non pas par le côté gauche. Protéger les zones de largage, si on les perd, c'est la fin. Simplement avis personnel, ça c'est
Il y a beaucoup de personnes qui disent ça change rien, je suis tout à fait d'accord. Mais sur le côté gauche, vous êtes plus protégé une fois que vous aurez fini. Par contre, un gros défaut que je peux faire, c'est qu'on peut pas sélectionner que les unités anti-char comme je pouvais faire. Là. Vous avez constaté qu'il y en avait deux. Hein. J'aurais aimé sélectionner en fait que l'unité anti-char. Tant pis, j'ai perdu, c'est pas grave. Voilà. Essayez de conserver comme des troupes, hein. Comme toujours. Oui, je sais, il débarque beaucoup de chars comme ça. Mais bon, étant donné qu'ils sont pas très très blindés, c'est pas un problème. En 2-3 coups de Panzer Shrek, c'est bon, faut les exploser. Bah, c'est pour ça que ces unités sont aussi redoutées. Hein. Et c'est quand même qu'on n'arrive pas à tirer pour le bazooka. On va se montrer un peu agressif. Parce que la stratégie que j'utilise, moi en fait, c'est j'attaque. J'attaque quand même comme il faut, hein. Et je fais des casernes de soins. L'avantage, c'est que c'est très efficace sur les petites distances, mais le gros défaut, c'est que vous êtes très vulnérable à l'artillerie, justement. Et je vous présente l'unité que je préfère le plus, niveau design. Voilà, c'est les grenadiers d'assaut et les grenadiers anti-char. Les Panzer Grenadiers plutôt. Infanterie anti-char. Tout sauf ce initial en fait. La petite particularité, voilà, c'est... Non, c'était eux que je voulais, mais bon. Voilà, encore des morts. Une victoire. Notre section a pris ce que j'appelle une action efficace. Zone de largage nettoyée. Bravo, camp groupe. Trois des zones de largage ont été nettoyées. Il n'en reste plus qu'une. Quelle est notre mission? Nous avons réparé le dernier. Je vais créer une caserne de soins ici comme à mon habitude. Et on constate qu'aucune de mes troupes n'est morte. Donc c'est parfait. Bon alors, le dernier camp attaqué, je vous conseille d'amener un mortier par le flanc là. Ah, parce que traverser les plaines c'est parfois un peu compliqué. Est-ce complicado comme diraient certains. Les personnes concernées comprendront pourquoi j'ai dit ça. Et voilà. Pourquoi? Parce qu'on est qu'ici, c'est Foudisquet, vous allez deviner, je pense, c'est ici, il y a quand même un gros QG bien défendu. Et le passé en frontal est un peu compliqué. Donc nous devons ruser. Et comment rusons-nous? En utilisant le terrain à notre avantage.
Et oui, le terrain, on l'utilise pour nous. Bon, d'accord. Donc, de mémoire, en fait, ici, il y a le sniper. Bon, moi, les snipers ont bougé, donc c'est plus la vérité. Hein. Mais normalement, les snipers, il y en a un dans ce bâtiment. Et ben justement, quand on parlait des mortiers ennemis, des défenses sourdes, elles sont là-haut. Parlez, terminé. Unité anti-char en route pour la position indiquée. Bon, le seul défaut, vu que j'adore moi avoir les unités bien soignées et éviter qu'elles meurent, c'est que les soins durent pour un petit camp, un petit coup, bref, ce qui est. Et pendant ça, ben il faut attendre. Voilà, je m'en excuse pour ceux qui veulent pas attendre. Voilà. Bah, je vous présente vraiment comment il faut jouer correctement hein, si vous voulez pas avoir d'ennui pour gagner facilement. Sachez que j'ai déjà réussi toutes les missions en expert, pas forcément avec tous les objectifs annexes, mais je sais comment les obtenir. J'ai envie de dire c'est pas trop grave hein. Moi à partir du moment que je sais comment les obtenir et que je les ai pas, moi ça me gêne pas trop. Ça me gêne pas hein. Et maintenant, vous avez compris la défense qui nous attend. En premier lieu, mortier, il bombarde. Bon ben, il vient de le faire. Il bombarde après le mortier. Tant pis, ils sont pas tous soignés, mais ça vous fera. Pourquoi le mortier, étant donné que c'est ça qui va vous faire le plus de dégâts. Ces planeurs et leurs QG, nous devons le détruire pour empêcher l'ennemi de recevoir des renforts. Exactement. Et ils ont deux canons anti-char, constatés. Nous avons détruit une unité ennemie. Mais bon, les deux viennent d'être détruits, donc on ne craint vraiment plus rien. On a la cible en vue. Bah bon. C'est qui on prête à recevoir des. On va y aller. Vous aimez que j'aille à la bourrin? Et ben là on va y aller à la bourrin. Chargez, y'a maître Yoda. Ah oui, bon, là je viens de tilter ça, j'avais oublié de vous le dire. Quand vous enflammez un bâtiment, avec le temps vous lui infligez des dégâts. Parce que le bâtiment brûle. Et parfois, si le feu a suffisamment bien pris, le bâtiment brûlera jusqu'à qu'il s'effondre. Petit détail important. Et oui. Donc, c'est pour ça qu'on a vu les unités sorties, parce que le feu avait réussi à prendre dans toute la maison. Si je restais dedans, il mourrait forcément. Soit il sortait et essayait de s'en sortir. Bon, compter le nombre de troupes que j'avais. Ça n'a rien changé, mais c'est pas grave, moi ça m'arrange. Par contre, le défaut du camp de groupe ER, bon, il appelle comme ça, moi, c'est les troupes blindées, je crois, le vrai nom. Parce qu'il y en a, hein. C'est que on ne possède aucune unité anti-char excepté d'infanterie. Canon, c'est tout du soit du fixe, par exemple des canons 88, soit ben du mobile, et c'est ça le gros défaut de cette armée. Bien joué, Kampfgruppe, c'était la dernière zone de largage. Et de mémoire, ils vont. Voilà. La contre-attaque se déroule sur votre dernière zone et je préfère franchement défendre celle-là. Et là, je vous présente les caisses de ravitaillement ennemi. Vous pouvez récupérer avec les ennemis. Et oui. Bon. Je sais plus vraiment comment ça se déroule. Hein.
de nouveaux ordres. La défense cette zone. Hein, donc. En avant, les gars. Allez-y. Donnez-nous vos ordres. Oh. Ah, c'est bien ce que je pensais qu'il y avait des véhicules d'attaque qui arrivent. Parce qu'ici en fait l'avantage c'est que pour capturer point ils sont obligés en fait d'être là. Et le plus souvent c'est assez facile de protéger le point étant donné que vous avez les bâtiments qui bloquent la majorité des accès. Alors qu'ici c'est beaucoup plus dégagé. Et parce que comment ça marche c'est avec le dernier point capturé. Ça vous avez dû vous en douter. Mais il faut privilégier l'endroit où vous avez facile à défendre. Hein. Après, si vous êtes bête, bah, c'est de rien. Bah, je vous le dis. C'est plus sympa là-bas parce que les combats sont plus étendus, mais c'est plus facile ici à défendre. Donc, niveau efficacité, faites toujours ça ici. Oh, magnifique bug. Normalement on peut pas traverser, c'est pour ça. Ah si on pouvait traverser. Ah j'étais pas... Ah bah non, j'ai rien dit. En fait j'étais pas au courant qu'il y avait un passage entre les bois ici. Bon, encore des baisses de FPS, je m'en excuse encore une fois. Contre l'IA, je vous conseille vraiment de tout mettre en objectif d'attaque, hein, les points de compétence. Contre les vrais joueurs, ben, ça dépend comment joue le joueur adverse. Je crois que c'est bon. Groupe au contact. Bien exécuté. Vous avez réussi à repousser leur contre-offensive. Le camp Groupelaire garde le contrôle de Volfet. Et c'est ainsi que nous avons réussi cette mission. Pourquoi n'avez-vous pas appelé plus tôt? C'est encore une ruse des Rosbif. Ils veulent le Major Général Foss. Non. Leur objectif, c'est l'Allemagne. Qu'est-ce que ça signifie, Major Général? Est-ce que l'histoire d'Ansel et Gretel vous dit quelque chose? Nous avons trouvé les miettes des enfants. Ils ne rentreront jamais. Nous cédons plus de 70 km par jour aux forces américaines et britanniques. À présent, ils veulent entrer en Allemagne. Leur porte d'entrée serait la Hollande. Les 1er et 3e bataillons de parachutistes britanniques avancent vers Arnhem. Et le 4e vers le pont ferroviaire près d'Osterbeck. Les 82e et 101e aéroportées américaines foncent vers Best et Nijmegen. Ils comptent sur leur précieux 30e corps pour remonter l'autoroute 69 jusqu'à Arnhem, en unifiant au passage les zones de largage. Le Kampfgruppelehr doit entraver l'avancée du 30e corps et détruire les zones de largage de l'ennemi. Nous devons contrer l'opération Market Garden. Et c'est ainsi que nous terminons cette mission. Nous avons réussi les objectifs principaux et eu un signe du terreur d'élite. Donc je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine fois et vive le jeu vidéo.